Bonjour, bienvenue à Figuera de Costello Rodrigo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue à Figuera de Costello Rodrigo. Ne me demandez pas si c'est en Espagne ou au Portugal, je crois que c'est au Portugal, mais on est juste à la frontière espagnole. Alors pourquoi je fais cette petite vidéo aujourd'hui? Eh bien justement parce que je me trouve à la frontière entre le Portugal et l'Espagne et ça m'a donné envie de partager une idée avec vous. Bien souvent dans un service client, on se pose la question de savoir comment faire pour améliorer son service client et on imagine des choses tout à fait extraordinaires, extrêmement compliquées. Or, la frontière entre un bon et un mauvais service client, c'est très très simple. C'est quelquefois très peu de choses. Ça tient juste au niveau d'une petite frontière entre le bon service client et le mauvais service client. Ne cherchez pas des choses compliquées. Simplement, le conseil du jour, aime ton client comme toi-même. Fais pour lui ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Sois sympa, sois gentil. Traite-le comme si c'était ton meilleur ami, comme si c'était ton frère, ton père, ta sœur, ta mère, quelqu'un que tu aimes beaucoup, quelqu'un que... Quelqu'un... Je te traite comme... Bonjour. Alors ça, c'est inattendu. Ça, c'est inattendu. C'est inattendu, voilà. Voilà, j'espère qu'il va y avoir d'autres fans qui vont venir m'embrasser, ça va être vachement... Salut! Mais non, attends, je suis une vidéo. Oui, au revoir, Et voilà, quelquefois on fait des vidéos, c'est un petit peu surprenant, on s'y attend pas. C'est la surprise du jour. Eh bien, je vous souhaite le meilleur avec vos clients et n'oubliez jamais que pour avoir un bon service client, c'est de la gentillesse, c'est une attitude, c'est de la sympathie, c'est aimer l'autre, tout simplement, c'est pas plus compliqué. Allez, j'espère que cette idée vous sera utile. Je vous souhaite le meilleur avec vos clients et je vous dis adios, hasta luego.